c'est Grifox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un thème qui me tient vraiment à cœur et que je voulais aborder avec vous depuis un moment, qui est comment améliorer Dofus. Alors, pour la peine, vous l'avez peut-être vu, j'ai sorti la petite webcam. J'espère que ça vous plaira, c'est quelque chose que je compte intégrer à mes vidéos prochainement, et si vous trouvez que ça apporte quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, et je verrai comment je peux mettre ça en place. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Moi, ça faisait un moment que je réfléchissais un petit peu aux différentes manières d'améliorer le jeu et qu'est-ce qui pourrait évoluer. Et ça tombe bien parce qu'il y a 3 jours, Ankama a envoyé, a posté un message « Faites vos vœux pour 2018 », on va le lire rapidement ensemble. « La fin d'année nous réserve encore beaucoup de belles surprises, mais aujourd'hui, nous vous proposons de prendre quelques instants pour commencer à imaginer avec nous l'année Dofus 2018. » Vous le savez, Dofus a toujours évolué avec et pour vous, mais pour 2018, nous voulons franchir un nouveau cap en vous proposant pour la première fois d'influencer directement l'orientation du calendrier 2018. Donc ça c'est vraiment chouette parce qu'on reproche souvent à Dofus en fait de ne pas assez écouter la communauté, et là ils font un petit peu l'effort d'aller vers nous, et c'est vraiment une super initiative, je pense que là ils sont partis dans une bonne lancée au niveau de la communication, c'est pas mal. Alors en gros pour participer, ce qu'il faut c'est juste... écrire un commentaire sur l'article et dire les 10 désirs qu'on a pour Dofus pour l'année prochaine. Bon, ils disent 10, mais concrètement, on peut dire un peu ce qu'on veut. Ensuite, ils feront une synthèse des idées, et après, bah, ils verront qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place le plus rapidement. Bon, je vous lis pas tout en détail, hein, vous avez l'article sur le site, mais c'est très facile. Alors, vous voyez que ça a été fait le 3 octobre. On est actuellement le 6, à l'heure où je vous fais la vidéo. Et il y a déjà 1500 messages. Donc, je pense qu'ils vont vraiment galérer à tout synthétiser. En tout cas, moi, dès que j'ai vu ça, je me suis empressé de mettre mon petit commentaire. Et c'est vraiment ce qui va faire le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai envie de vous expliquer un petit peu mes idées, et pour qu'on puisse éventuellement en parler ensemble. Et si ça vous plaît, vous pourrez relayer un petit peu ma vidéo et lui donner plus de visibilité pour qu'elle ait le plus d'impact possible. Alors, bon, moi, ça tombe bien, parce que j'avais déjà pris des notes et réfléchi à ce que je voulais dire pour l'amélioration. Et en fait, leur post, c'est juste pour moi l'occasion de leur communiquer les réflexions que j'avais déjà eues. Alors, la première chose que je voudrais mettre en place, c'est une historique des ventes. En gros, quand vous vous connectez sur le jeu, alors j'ai le truc qui est lancé à côté, vous avez ici l'eau vendue en votre absence, tant de Kama, etc. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez une liste de tout ce que vous avez vendu. Sauf que ça concerne que ce que vous avez vendu hors ligne. Et si par exemple vous avez décidé d'aller vous prendre un café ou d'aller voir un pote ou je sais pas quoi en laissant le jeu ouvert, tout ce que vous avez vendu pendant ce temps, vous pouvez pas le voir en fait, vous avez pas de manière de retourner dessus. Ou encore pour les joueurs qui jouent en multi-compte, comme c'est mon cas, quand on voit un truc sur un compte et qu'on est sur un autre compte, ben on le voit pas forcément. Et après on se retrouve à arriver dans sa banque et des fois on trouve 50 millions, bon ça fait toujours plaisir de trouver des thunes en banque, mais quand on sait pas trop d'où ça vient, c'est compliqué pour pouvoir gérer son commerce. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui manque au jeu, de vraiment pouvoir voir par exemple les 200 derniers items vendus, voilà, c'est ce que je propose. Et vraiment de savoir, pouvoir un petit peu plus s'organiser, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment simple à mettre en place, je pense, au niveau technique, et qui pourrait avoir un gros avantage pour les joueurs. Deuxième élément. Alors, le système de retour en banque des hôtels de vente. En gros, quand vous avez un truc en vente, alors on va aller regarder si j'ai peut-être quelque chose quelque part. Par exemple, ressources. Voilà. Bon, je pense qu'avoir la vidéo à l'appui comme ça, c'est pas mal, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Voilà, par exemple, on va prendre les cornes de 42, là. Vous voyez que temps restant, 437 heures, donc dans 437 heures, elles vont retourner en banque. Et à ce moment-là, si je veux les remettre en HDV, il faudra que je repaye une taxe de 2% du prix que je mets en vente. Or, si je le modifie maintenant, on n'a que 1% de taxe. Le problème, c'est que ça veut dire que si on veut... En gros, c'est s'épargner 1% de taxe, ça veut dire qu'il faut tout le temps vérifier ses HDV pour regarder ce qu'on a en vente et qu'est-ce qui va expirer bientôt. Et ça, c'est super contraignant. Ça n'apporte pas grand-chose, c'est juste très chiant. Hein, pour peu qu'on ait plein d'HDV qui soient blindés, on y passe des heures tous les jours, quoi. Donc, je pense que plutôt que d'avoir un retour automatique en banque, on pourrait avoir une petite notification où, quand on se connecte, on nous propose de remettre tel item, tel item, tel item en banque avec une taxe de seulement 1%. Voilà, ça, je pense que ce serait vraiment pas mal. Bon, je m'attarde pas plus dessus, hein, je pense que c'est assez clair et que vous comprenez l'idée. Ensuite, alors là, très important, l'archétype. Alors ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps, parce que c'est une arme que j'utilise beaucoup en Coliseum. Et on va s'en mettre un sous les yeux pour que ce soit plus parlant. Hop. Alors, l'archétype, le voici. Alors vous voyez que, bon, de toute façon, je pense que tout le monde connaît, mais on va prendre par exemple celui-ci.
Donc celui-là, il est FMO. Et pour avoir le soin, on inflige tout le temps quelques dommages à la cible qu'on tape. Donc l'idée, c'est tout le temps de chercher à minimiser les dégâts qu'on va faire à la cible, parce qu'en général, c'est un allié. Et pour ça, bah, on met un élément qu'on n'a pas. Donc comme ceux qui sont en archétype, en général, sont en feu, on met par exemple l'élément eau pour que les dégâts eau ne soient pas très conséquents. Le problème, c'est que normalement, au niveau 200, pour tout joueur qui est à peu près investi dans le jeu optimisé, on est parchoté partout 100 dans chaque élément. Ce qui veut dire qu'on a un parchotage de 100 dans l'élément eau qui nous fait défaut parce que l'élément eau ne nous sert pas, et il nous fait taper plus fort nos alliés. Ce qui veut dire que pour être vraiment dans une optique d'optimisation, il faudrait recommencer un perso, lui mettre le même stuff, mais ne pas le parchoter en chance. C'est ce que j'ai fait à une période avec mon Feka que je jouais full Intel, mais je trouve que c'est un petit peu bête quand même de devoir recommencer un perso niveau 1, juste à cause d'un truc comme ça, parce que bah, dans un MMORPG, on devrait pas avoir de retour en arrière, de choix qui nous portent préjudice par la suite, et voilà, qui baissent la puissance de notre personnage et son efficacité en combat. Donc moi, je pense que le fait de garder un élément de frappe pour l'archétype, c'est une erreur, ça n'a pas vraiment d'intérêt, et donc moi, ce que je propose, c'est de mettre un pourcentage de dégâts au lieu d'avoir là le. Non, je vais me l'afficher ici. Au lieu d'avoir les 14 à 21 dommages hauts, d'avoir par exemple 1% des PV actuels ou 1% des PV max ou un autre pourcentage, mais ce genre de dynamique et pas avoir des dégâts fixes comme ça qui dépendent d'un élément. Je pense que ce serait vraiment chouette, c'est aussi valable pour la baguette de Maléfisque par exemple. Encore que pour Maléfisque, c'est du vol de vie, donc c'est encore différent, mais. Voilà, je pense que tout le monde comprend à peu près ce que je veux dire, et ça me paraît vraiment pertinent, ce serait bien de le mettre en jeu assez vite. Enfin, du moins, c'est mon avis. Bien sûr, tout ça, c'est que des pistes de réflexion, hein, c'est des idées que je propose. C'est aussi pour ça que je vous fais une vidéo là-dessus, c'est pour que vous puissiez réagir et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et donner vraiment plus de visibilité à mes idées, voilà, c'est un petit peu l'idée. Bon, alors ensuite, alors celui-là, ah, l'item-là... Il fallait vraiment, j'aurais peut-être pu même le mettre en premier, mais bon. Alors moi, vous le savez peut-être, je fais énormément de forge magie. J'ai tous les métiers de forge magie niveau 200, enfin j'ai tous les métiers 200, mais en particulier ceux des FM que j'utilise énormément. D'ailleurs, je vous ferai pas mal de vidéos là-dessus, ça va venir, hein, mais bon, pour l'instant, j'ai pas énormément de temps. Voilà, on va se mettre par exemple sur le sculpte mage. Et, bah tiens, j'ai des... Alors on va se mettre par exemple ce cac, hop. Quand on veut fusionner, une rune, à chaque fois il faut cliquer sur la rune, et ensuite se déplacer sur le bouton fusionner, cliquer, et revenir sur la rune suivante, et on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait la vérité c'est que ceux qui font beaucoup de forge magie, bah, la plupart du temps et de l'énergie qu'ils dépensent, c'est uniquement des déplacements de curseur, et c'est insupportable. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas mis de touche de raccourci juste pour la touche fusionner, ce qui voudrait dire qu'on pourrait laisser le curseur dans la zone où il y a les runes, simplement la déplacer et bah, cliquer sur fusionner juste avec une touche qu'on mettrait sur le clavier ou sur la souris, enfin sur un raccourci quelconque. Surtout quand on voit dans les options la quantité de raccourcis qu'il y a dans le jeu qu'on peut paramétrer, de voir qu'ils en ont pas mis pour ça, c'est un petit peu surprenant. Donc j'aimerais vraiment que ce soit fait et je pense que je suis pas le seul et ça rendrait un grand service à beaucoup de monde. Voilà, bon je m'attarde pas plus dessus, mais ça c'est peut-être l'amélioration que j'attends le plus de toute la liste que j'ai faite quoi. Bon, on reste toujours dans le domaine de la forge magie. Et on va parler d'un type de rune qui n'est pas implanté en jeu, et bah ça je comprends juste pas pourquoi, alors peut-être que c'est un oubli d'Ankama. C'est les runes qui font plus 3 réfixes. Donc on a par exemple les runes, on a pas Repou, qui font plus 3 Repou, donc qui 3 fois une caractéristique qui pèse 2, donc avec un poids de 6. On a pareil pour les par écrit, on en a par 3, par contre bah, il n'y a pas de par et feu, parce que voilà, on a par exemple là, des runes ré feu, ré haut, ré air, ré neutre, ré terre, qui font toutes plus 1, mais il n'y a pas les par et terre, par et feu, par et air, par et haut. Et bah ça, je suis désolé, mais c'est complètement débile, enfin ça n'a... je comprends pas pourquoi ça n'est pas fait, et surtout qu'il y en a besoin. Il y en a besoin parce que certains items, comme par exemple, alors là je dois avoir des bottes voilà, du compte à rebours, bottes du compte à rebours, vous voyez qu'on a 21 à 30 res neutres. Comment on fait pour monter à 30 res neutres avec des runes qui font plus 1, je vous le demande. C'est quasiment impossible les FM quand on cherche du G parfait. Parce que une fois qu'on dépasse les 20 dans une caractéristique, on peut passer une rune qui avait fait plus de 20 fois son poids, ça devient très compliqué, donc en termes de chances de succès, c'est extrêmement faible. Donc monter à plus 30 avec des runes ré neutres, c'est quasiment impossible. Donc je comprends pas pourquoi c'est pas fait, et j'aimerais vraiment que ça le soit. C'est valable, donc c'était déjà un problème pour des items comme les bandes du compte à rebours, mais c'était assez anecdotique, on va dire. Mais à côté de ça, on a, depuis peu, les boucliers. Et alors là, dans les boucliers, je peux vous dire que...
Il y en a un paquet des boucliers qui en ont besoin. Si on regarde, bon là on a eu 50 et... Bon on va prendre, j'en connais quelques-uns qui en ont. Voilà, écorce de brousse, on a 25 raies terre, 25 raies eau. En plus c'est un item qui n'a pas de puits, donc c'est un petit peu galère à FM, faut le faire sur brisage PA. Je suis désolé, mais à moins de spammer les orbes jusqu'à avoir 25-25, je vois pas comment on peut avoir un G-perf là-dessus. Enfin, du moins, c'est très compliqué. Encore que 25, ça peut être à peu près jouable. Mais dans tous les cas, c'est vraiment nécessaire d'implanter ces runes. C'est aussi le cas pour tous les petits cadrans là qui ont des 25 raies fixes dans un élément. Il y a d'autres boucliers qui sont dans ce cas-là. Donc voilà, les runes plus 3 restes fixes, ça devrait arriver et j'espère que ça va venir. Ensuite, alors, encore un problème, donc ça que je rencontre beaucoup en Coliseum, enfin que je rencontre, disons que. Ça me changerait la vie si c'était que amélioré. Alors pour ça, on va aller se faire un petit putsch pour qu'on puisse regarder ensemble. Allez hop, on est parti pour qu'on voit un petit peu au niveau de la présentation des résistances d'un joueur sur un combat. Alors hop, le putsch, on va prendre le niveau 1, on va pas se casser la tête. On va mettre un petit stuff combat, hop, bon ça c'est pas très utile, mais alors en gros... moi ce que je déplore c'est que depuis peu il y a les résistances mêlées et les résistances distance qui ont été implantées. Et voilà, ben on voit tout simplement que elles n'y sont pas. Bon j'aurais peut-être pu mettre un stuff un peu plus sympa au lieu d'avoir un truc dégueulasse comme ça. Bon ça c'est du stuff PVM bourrin mais... Bon. Vous voyez que là on a en fait tout ce qui est lié à la résistance, c'est-à-dire le tacle, les esquives PA, les esquives PM... Les résistances critiques, les résistances de poussée, toutes les résistances fixes et toutes les résistances en pourcent dans chaque élément. Mais on n'a pas, les résistances mêlées et distance, et ça, bah, je comprends pas pourquoi ils les ont pas mises, ça n'a aucun intérêt. Surtout que bah, quand vous êtes en colis par exemple ou en combat quelconque, vous avez juste à regarder, et là je suis à 886 en minimum. À distance et au CAC, je suis à 669, donc là on peut tout de suite savoir s'il y a une... Bon, enfin là en l'occurrence c'est mon 4 feuilles hein, qui fait la différence, mais si c'est les résistances de l'ennemi qui joue, et eh ben on peut savoir quand... où est-ce qu'on tape le plus, juste en comparant les deux, mais ça veut dire que pendant le combat il faut prendre le temps de regarder ça, et bah c'est juste contraignant, c'est surtout pas très cohérent avec tout le reste du jeu, puisqu'on a accès à toutes les résistances quoi. Donc je comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait ça, du moins pourquoi ils ne l'ont pas fait. J'espère que ce sera corrigé, enfin il y a des gens qui me regardent en combat, ils doivent s'imaginer que je fais un truc de fou, mais... Non, je fais juste un push pour une vidéo. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir implanté en jeu, moi c'est avoir les résistances mais les distances, parce que bon quand on est dans un combat, on regarde toujours en fait sur l'adversaire comment optimiser ses dégâts en fonction de ses résistances, et c'est important d'avoir accès à ces informations quoi. Bon voilà, je m'attends pas plus là-dessus, mais en plus j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos de Coliseum, mais ce serait bien que ce soit corrigé quand même. Bon allez, on va pas faire durer le truc pendant 40 ans. Hop, bon. Next. Alors ensuite, on est sur un bug. Un bug que je vais pas m'attarder là-dessus devant ce texte. Je vais tout simplement vous montrer un exemple concret. C'est parti. Nous y voilà. Alors, ce petit bug, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout un petit bug. C'est un bug horrible qui m'a pourri la vie pendant très longtemps à l'époque où je jouais mon ennemi avec mon Yop en Coliseum. En fait, c'est un bug qui vient affecter le soin de l'ennemi depuis la mise à jour des ennemis, donc qui a eu lieu depuis un moment déjà. Et ça n'a jamais été corrigé, je l'ai signalé plein de fois à Ankama, je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste. Alors, on va faire un petit défi. Je vais mettre voilà, mon Yop et mon ennemi contre Luigi. Hop. Voilà, c'est juste vraiment pour vous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Hop. Voilà, là on est pas mal. C'est vachement fort le son là, bon c'est pas grave. Alors en gros, c'est avec l'utilisation du sort Pooch. Donc je vais tout simplement attendre que je puisse le faire sur le Jinak. Voilà, et ensuite on va mettre... Ah mais merde, je tape pas les alliés avec ça, c'est vrai. Alors on va mettre un petit peu de dégâts sur l'ennemi pour qu'on puisse voir le soin. Hop, par exemple comme ça. Voilà, et donc là l'ennemi, alors vous connaissez le fonctionnement de l'ennemi, alors ça marche pour les sorts O comme pour les sorts R, c'est-à-dire ce sont les deux sorts qui tapent en fonction des points de vie qu'on va... enfin des dégâts qu'on va occasionner à l'ennemi. Et on est censé normalement taper 50% de ce qu'on tape avant réduction par les résistances ennemies. Donc là vous voyez, je tape, bon là je suis au 50% de reste de mon Ojinak, donc je devrais me soigner à peu près du 300 en tapant du 300, et vous voyez que je me soigne... du 73, bon j'écris, donc en fait ça correspond uniquement à 20% du soin que j'aurais dû avoir. Donc quand il y a ça sur un ennemi, vous voyez que je me soigne rien du tout. Je me soigne 32 et 40.
Donc un NIO qui est censé se soigner énormément en tapant les ennemis, quand le sort Pooch est actif, il se soigne uniquement en fonction des dégâts supplémentaires du Pooch. Donc ça, bah, c'est clairement pas normal. Et c'est en fait c'est un bug qu'on peut trouver sur d'autres moments du jeu aussi, enfin sur d'autres situations. C'était le cas notamment avec les anciens sacrilleurs. Quand ils faisaient le sort Fury et qu'ils se prenaient des dégâts supplémentaires à la fin de leur tour, le soin de l'ennemi était calculé sur les petits dégâts de la Fury et pas sur les gros dégâts du sort haut de l'ennemi. Ce qui faisait qu'on se soignait du 8 ou du 9, quoi, au lieu de se soigner plusieurs centaines de points de vie. En gros, ce qui voulait dire que les sacrilleurs pouvaient exploser un ennemi haut parce qu'il lui enlevait toute capacité de soin. Je crois que ça marche aussi avec la distribution de l'héliotrope, ou enfin en gros tous les sorts qui rajoutent des dégâts subis. En plus du sort initial, quoi. Enfin bref, dans tous les cas, c'est un bug. C'est un bug très handicapant. Moi, j'ai arrêté de jouer Any Yop à cause de ça. C'est pour ça que vous voyez plus mon Yop en colis. Ça m'a tellement dégoûté que je me suis parti sur d'autres classes et bah, ce serait quand même bien que ce soit corrigé un jour, quoi. Voilà, j'ai envoyé plusieurs mails au support, j'ai fait des tickets sur le forum, je les ai appelés même plusieurs fois et je sais pas ce qu'ils font. Là, vraiment, le suivi technique n'a pas été au rendez-vous. J'espère que le fait de vous montrer dans cette vidéo fera peut-être réaliser à plus de personnes qu'il y a un vrai souci et que ça finira par arriver aux oreilles d'Ankama et qu'ils régleront le problème une bonne fois pour toutes. Voilà pour ce petit bug, bon allez, on passe à la suite. Bon, élément suivant, on est sur deux petites choses maintenant qui sont vraiment moins importantes, on va dire, que le reste. C'est juste, moi je pense qu'un HDV des Dofus pourrait être pas mal. Parce qu'on a beaucoup de spéculations, au final il y a plein de marchands au village par exemple qui vendent des têtes de fus, qui font de l'achat-revente, etc. Et je trouve que c'est pas forcément très intéressant pour ce que ça apporte au jeu. Et d'avoir un hôtel de vente des Dofus, ça permettrait d'uniformiser un petit peu les prix. Et ce serait, je pense, plus stable pour l'économie et plus facile pour ceux qui veulent acheter des Dofus et qui savent pas trop comment s'y prendre. Moi, enfin, je trouve que ce serait mieux qu'il y en ait, après. On peut avoir des arguments contre, voilà, c'est juste une idée que je lance, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je m'attarde pas plus là-dessus. Ensuite, un slot de vente par 1000 en hôtel de vente. Alors, en hôtel de vente, bon, je vais y aller, mais je pense que tout le monde sait à quoi ressemble un hôtel de vente, mais je vais prendre un exemple qui me paraît particulièrement pertinent, qui est les pépites. Les pépites, en gros, on peut les acheter quasiment qu'en mode marchand, parce que quand on les achète en hôtel de vente, il y en a pour 40 000 ans, souvent on en a besoin de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, et les prendre par 100, on passe notre temps à spammer l'achat du truc, c'est un petit peu embêtant. Et avoir un slot par 1000, bah, ce serait beaucoup mieux, donc c'est valable pour les pépites, et puis aussi pour tout ce qui est céréales, ou ce genre de ressources qu'on peut avoir en grande quantité. Moi je pense que ce serait bien parce que ça coûterait pas grand chose à faire. Au niveau du design du jeu, on aurait clairement la place d'en mettre un quatrième ici sans que ça fasse crade. Voilà, bon je pense que c'est juste une idée que je soulève aussi. Bon voilà, c'est tout pour l'instant. Et je pensais m'arrêter là pour ce poste. Là ça me fait 9 éléments. Et le 10e je l'ai pas mis parce que je pensais qu'il allait être corrigé, mais j'y viens tout de suite. J'y viens tout de suite. Alors avant de quitter cette page, je précise juste que mon post, il est la page 38. Si vous voulez aller le regarder sur l'article, vous pouvez le retrouver, page 38. Alors, venons-en à la suite, qui va constituer du coup le 10e item. Ah bah tiens, ça vient de sortir ça, je vais le regarder, je vais le lire juste après. C'est l'orbe reconstituant. Alors ça, moi ça fait très longtemps que j'attends la mise à jour des pare-chocs de sort. D'ailleurs je trouve qu'ils ont fait un petit peu d'imp avec cette mise à jour parce qu'ils l'ont annoncé, ils ont annoncé que ça sortirait fin 2016. Donc à ce moment-là, moi j'ai vendu tous mes pare-chocs de sort, je me suis empressé, je me suis débarrassé de tout, j'en avais plusieurs milliers. Ça a été un peu galère, je les ai vendus pas extrêmement cher. Et parce que c'est ce que tout le monde a fait, mais je me suis dit, bon voilà, de toute façon ça servira plus à rien et les prix vont chuter, donc autant se dépêcher pour les vendre. Et après ils ont dit, ah finalement on fera ça fin 2017, alors j'ai dû racheter 2000 pare-chocs de sort, un truc comme ça, à l'équivalent de 4 fois le prix où je les ai vendus, donc je vous laisse calculer les thunes que j'ai perdues, mais c'est un petit peu affolant. Et là ils nous remettent à nouveau l'histoire de la mise à jour des sorts qui va arriver en fin d'année, alors j'espère que ça va être bien fait. Moi je suis à la fois impatient, et à la fois j'ai très peur de ce qu'ils vont nous faire. J'ai très peur parce que ils vont toucher à l'équilibrage du jeu. Quand on voit qu'une classe qui arrive ou un sort qui est modifié, ça a déjà beaucoup de conséquences sur le gameplay, sur l'équilibrage en PvP. De nous mettre des variantes de sorts sur toutes les classes, à mon avis, ça va être un bordel incroyable sur les premiers mois jusqu'à ce qu'il y ait des équilibrages qui soient faits.
Parce que ça va être, y aura forcément des trucs qui vont être mal gérés et mal équilibrés. Mais bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Ils avaient annoncé, ou du moins c'est ce que j'avais cru comprendre, qu'on pourrait redistribuer ces caractéristiques comme on voudrait, et faire plusieurs pages de caractéristiques, et ce que je trouvais très bien, et cohérent en plus avec leur système de sorts, où maintenant on peut les débooster et les rebooster comme on veut. Ils avaient dit que ça, ce serait une transition donc vers un mode de jeu où il n'y aurait plus du tout de pare-chocs de sorts et de points de sorts, donc ça, a priori ça va être fait. En revanche, pour les caractéristiques, eh ben, ils nous mettent toujours une orbe reconstituante, un orbe reconstituant, pardon, à vendre. Et ils nous présentent ça comme s'ils ont trouvé une solution à tous les problèmes et tout, mais ce qu'ils proposent, ça résout absolument rien. En fait, ce qu'ils proposent, c'est au lieu d'avoir un orbe à 6 000 green ou à 10 euros, ils le passent à moitié prix pour l'orbe qu'on connaît actuellement. Et ils proposent un deuxième service qui est l'orbe reconstituant illimité. Et en fait, ils disent illimité, mais c'est limité dans le temps, leur offre, hein. Ça dure que 30 jours, donc un mois. Et pour 10 euros ou 6 000 green, c'est-à-dire le prix actuel de l'orbe reconstituant, on peut changer de manière illimitée ses caractéristiques. Sauf que ce que je trouve dommage, c'est que ils avaient annoncé en fait qu'ils allaient changer le jeu de manière à ce qu'on puisse avoir un meilleur accès à différentes stratégies en PvP, ce genre de choses. Et en fait, ils remettent un truc payant et ça résout pas le problème parce que pour moi, l'énorme intérêt c'était de pouvoir associer des pages de caractéristiques à des équipements rapides. En gros, sur un équipement rapide, je pourrais avoir par exemple sur un Yop un mode full terre bourrin, staté en terre, un mode terre-feu boost, enfin staté en terre et en intel. Et un troisième mode, par exemple, deux poux avec de la vitalité et de la force, ou ce genre de choses. Enfin, on peut imaginer plein de choses, mais l'intérêt, c'est vraiment sur la phase de préparation de combat, de pouvoir changer la manière dont on a boosté ses caractéristiques. Là, si c'est un service d'orbe reconstituant, je vois bien venir le truc, il va falloir aller voir un PNJ ou je sais pas quoi, et ça va être pourri. Et même si, donc là voilà, cette question elle a été soulevée, prévoyez-vous de pouvoir enregistrer des builds de caractéristiques? Nous étudions cette possibilité pour une mise à jour future. Le fait de pouvoir changer de caractéristique via ce système de build serait cependant probablement lié au fait d'avoir un orbe illimité actif. Donc en gros, ça veut dire que pour pouvoir profiter de ce système idéal dont je parle, il faudra payer 10 euros par mois ou 6 000 green par mois. Et ça, je trouve que c'est dommage. Déjà que le jeu est payant et à l'heure actuelle du jeu vidéo, c'est un système qui marche de moins en moins bien. Et ça, je pense que Dofus, ils en font un petit peu les frais. Là, en gros, ils passent l'abonnement de 5 à 15 euros, quoi. Parce que moi, clairement, si c'est assez disponible, je pourrais pas jouer sans l'avoir parce que sur du PvP, c'est obligé ce sera incontournable de pouvoir avoir accès à tous les stuffs qu'on veut. Et 10 euros par mois, par contre, ça fait clairement trop pour un jeu vidéo. Et 6 000 green, ça veut dire qu'il va falloir quand même bien farmer à côté pour rentabiliser le truc. Et ça reste un service du coup destiné à des joueurs plutôt riches. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas cool. C'est vraiment triste. J'ai une énorme déception en lisant ça quand j'ai vu le post. Vraiment, je me suis dit, mais ouais, c'est du foutage de gueule, c'est pas possible. C'est triste en fait de voir que les motivations financières d'une entreprise comme Ankama et leur coût de marketing, ça ait un impact aussi négatif sur le jeu, parce que ça, c'est là ce qu'on voit, c'est clairement le cas, quoi. C'est vraiment chercher de l'argent là où il y en a, et je trouve que c'est complètement contradictoire avec en fait leur idée de développer un petit peu l'e-sport. S'ils veulent briller dans le PVP et faire des tournois qui marchent bien, etc., il faut qu'ils oublient complètement ce genre de démarche. Bon, voilà quoi. Ça a été en plus sorti donc le 4, c'est-à-dire le lendemain du jour où j'ai fait mon post précédent avec mes idées d'amélioration. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dedans, mais vraiment, je suis un petit peu tombé de haut quand j'ai lu ça. Après, il y a énormément. J'ai lu un petit peu les commentaires, il y en a déjà plus de 300 là, et il y a beaucoup de gens qui. Voilà, je pense que quand même a mal compris le problème des joueurs. On veut pouvoir changer de stade dans la phase de préparation de combat, donc c'est exactement ce que je disais. Il y en a beaucoup qui ont cette vision des choses, et j'espère qu'ils vont lire les commentaires et qu'ils vont prendre en compte tout ça et qu'ils vont oublier leur plan foireux là. Bon, voilà, je vais pas passer plus de temps à m'énerver là-dessus, mais je pense que c'est le genre de truc qui pourrait avoir un impact sur le fait que je continue le jeu ou pas. S'ils mettent ça en place, leur orbe à la con là, je pense que Dofus, ce sera potentiellement terminé pour moi. C'est trop décevant de la part d'Ankama. Bon voilà, on va pas se miner le moral plus que ça. En tout cas, cette vidéo, je suis vraiment content de vous l'avoir faite. Ça faisait très très longtemps que j'attendais de proposer toutes mes idées d'amélioration.
J'espère que vous comprendrez mes arguments, j'espère que beaucoup de gens la verront, et si ça vous a plu, vraiment, je vous invite là à vous liker, vous partager, vous la montrer à vos potes. J'ai envie qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent voir tout ça, et qu'il y ait une grosse discussion dans les commentaires pour après, pourquoi pas, pouvoir solliciter un coma pour qu'ils regardent la vidéo. Ça pourrait être un bon plan. Voilà, bon, je n'avais pas la faire durer plus longtemps, je sais pas, elle a duré combien de temps. En tout cas, on se retrouvera bientôt pour d'autres choses. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et j'attends vraiment vos retours avec impatience. A plus tout le monde.